Bonjour, équipe 1. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Un point sur la déduite par tranche de 30 secondes manquantes ou supplémentaires. Tous les membres de l'équipe doivent parler pendant la présentation. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera retranchée à la lettre. Tout au long de la présentation, je présenterai des cartons dans les heures afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide de mes mains pour les 10 dernières secondes de la présentation. La présentation s'appuie par une période de questions des jeux d'une durée maximale de 5 minutes. Vous êtes évalué dès le début jusqu'au dernier moment passé avec les jeux dans la salle de présentation. Je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes prêt. Le temps commencera lorsque le premier mot sera fait. Il n'y a pas de clicker, donc ça va être la souris que vous pouvez prendre dans vos mains ou le clavier comme vous désirez. Est-ce que je peux faire un test? Oui, ça te donne. Je vais prendre le clavier, en fait. Oui, bonjour, mon nom est André Colette. Je suis conscient en chef d'affaires et de la télévision studio. Moi, c'est Grégoire Dufresne, je suis directeur de l'Euromarché à la Caisse de l'Université Laval. L'Euromarché gestionnaire du marché immobilier construction Laval. Desjardins, vous avez le désir et les ressources pour vous développer. Mais comment innover sans briser le lien avec vos participants? Donc, aujourd'hui, notre firme Consultation est composée de Pierre Lebrun-Pouge, Thomas Bordeleau et moi-même, Louis Lacroix, parler de notre mandat aujourd'hui. Donc, vous avez fait savoir que votre mandat était de lancer une campagne pour promouvoir l'autonomie des membres et accroître la confiance des employés avec les services numériques proposés dans votre entreprise. Puis, donc, un petit plan de présentation. Aujourd'hui, on va faire une courte analyse de votre entreprise. Vous en connaissez déjà assez, on va faire ce tour. Et ensuite, on va parler de notre stratégie. Et puis, ensuite, on va parler de l'implantation, donc tout ce qui est budget, résultats attendus, ainsi que l'échéancier. Donc, on va commencer par laisser la parole à mon ami ici, Pierre-Édouard, mon collègue, qui va vous présenter la stratégie. Ouais, l'analyse. Ouais. Donc, pour commencer, analyse en trois volets, comme ça. On a des employés, donc les employés vont assurer le développement, tout ce qui est la relation avec les autres parties prenantes et les confiances avec les employés. Donc, on sait dans les ressources financières, tout ce qui est confiance, c'est très important. Ensuite, on a des gestionnaires qui s'assurent du bon fonctionnement de l'entreprise et aussi qui s'assurent d'avoir une formation accrue avec les employés pour faire le développement des affaires. Et ensuite, aussi, ce qu'on a, c'est les membres du conseil d'administration. On parle plus des membres et des clients de la coopérative. C'est bien eux, il faut qu'ils s'impliquent. Donc, comme on a vu dans le cas, un membre, une voix. C'est important d'avoir les voix de tous, savoir ce que les membres pensent. Donc, de prendre part aux discussions en secrétaire et aussi toute discussion avec les autres. Donc, si on passe au marché technique ici, vous offrez les services financiers. Donc, on englobe avec des assurances, la consultation. Pour ce qui est des prix, vous avez l'application Accéder qui est sans frais, donc accessible à tous les membres de Desjardins. Vous avez aussi des transactions numériques sans frais. Ce qui est la distribution, vous êtes beaucoup établi ici au Québec, ainsi qu'en Ontario. Donc, on compte 210 caisses à travers la province ainsi qu'en Ontario, 724 points de service, 26 centres Desjardins Entreprises, ainsi que 1654 guichets automatiques. Pour ce qui est de la communication, vous avez un vaste réseau. Donc, vous faites la publicité un petit peu partout, que ce soit en numérique, à la télévision, radio, ainsi que des dépliants un petit peu partout dans vos caisses. Et vous avez aussi de bouche à oreille. Donc, Desjardins, c'est une entreprise qui est fondée, qui s'est établie depuis très longtemps. Donc, vous avez une grande notoriété. De bouche à oreille, tout le monde au Québec connaît Desjardins, bien entendu. Donc, ici, voici le matin de la couverture, on va parler un petit peu des enjeux, des forces, tout ça.
Donc, quand on parle d'accéder pour construire une solution, ce qu'on veut dire par là, c'est la coopérative évoque non seulement les services financiers pour l'application, mais aussi l'assurance. Une assurance, c'est de son patrimoine. Donc, on a la plateforme, c'est un peu plus qu'une chose. Ensuite, on a le plus vaste réseau de guichets, comme mentionné dans la discussion. Donc, ça, beaucoup de guichets, de vraiment, c'est ce qui domine au niveau du nombre de guichets au Québec et en Ontario. Ensuite, l'intégrité des cœurs, dans tout ce qui est les forces. La grande compétition, les enjeux, c'est, on sait, plusieurs institutions financières, donc certainement, mais pas la seule. Par contre, les forces que vous avez, on bénéficie de certaines choses. Les membres, l'accès à l'utilisation des services en ligne, ça, c'est un enjeu que toutes les institutions financières ont. Nous aussi, puisqu'on est livré en ce moment. Donc, c'est vraiment de convertir les gens un petit peu plus vers nous. Ensuite, pour les défis, les devises dans les guichets, c'est quelque chose qui est en processus. On peut faire ce que j'avais, on peut aussi les devises de transfert dans les guichets, on peut les couper. Donc, on n'a pas tous les coupures pour l'argent liquide, pour les liquidités lorsqu'on va tirer. Et la résistance au numérique, un petit peu du même principe que tout ce qui est membre et sans utilisation. On l'a mis dans les enjeux, mais aussi dans les défis, parce que ça peut être une belle opportunité de développer les choses avec des clients qui sont plus résistants à tout ce qui est numérique et de leur faire comprendre certaines difficultés, accepter. Donc, ensuite, pour les opportunités, on a une forte notoriété, comme on l'avait dit tout à l'heure. On a aussi la plateforme en ligne, qui, comme j'ai déjà dit, très sophistiquée, puisque ça offre plus que seulement des services financiers. Et les capsules vidéo disponibles, ça, c'est une petite chose que, dans les opportunités qu'on va parler un petit peu plus tard, peut-être pour innover sur ce qui est par les capsules vidéo pour les gens qui sont plus à l'aise d'utiliser l'accès. Donc maintenant, ce qu'on a retenu de toute notre analyse de votre entreprise, c'est bien qu'il y a la préservation des compétences et des talents au sein de votre entreprise, et l'insatisfaction des clients et la réticence à l'utilisation des services en ligne. Donc, les clients sont un petit peu plus nerveux lorsque les transactions en ligne sont plus réticentes. Il y a l'optimisation de l'autonomie des membres ainsi que la vigilance des membres en ligne. Donc maintenant, nous avons créé un axe de communication. L'axe ici, vous pouvez le voir, c'est une coopérative exclusive qui va suivre avec vos stratégies. Oui, donc c'est notre stratégie aujourd'hui, c'est vraiment venir l'écouter, c'est l'adopter. Donc, on veut la création d'un comité à l'interne pour promouvoir l'adoption du numérique auprès de ses membres et renforcer le lien de confiance tout en valorisant ses utilisateurs. Donc, notre stratégie se comporte de trois volets. On va commencer par la formation, ensuite, on a l'innovation et la pérennité d'entreprise. Donc, pour la formation, je vais vous en parler un petit peu plus. Nous, ce qu'on a pensé, c'est un comité qui va agir à l'externe. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qui va former ce comité-là? On sait, comme que j'ai dit précédemment, qu'on a plus de livret, donc les gens qui étaient au contrôle de tout ça, c'est quelque chose qu'on va faire quelque chose avec ces gens-là. Il faudrait former un petit comité qui est vraiment axé sur l'approche conseil plus que l'approche transactionnelle. Ce qu'on veut dire par là, c'est vraiment d'accompagner les membres de la coopérative sur l'accès en ligne, en train de les mettre en confiance pour le suivi. Qu'est-ce que ça va apporter comme bénéfice, ces choses-là, et comment qu'on va le faire? Donc, nous, ce qu'on pense, c'est peut-être plus des conférences, des ateliers. Conférences, des ateliers, on peut faire ça graduellement, on a aussi l'accès au guichet, conférences, on peut initier les gens qui sont plus réticents à utiliser les plateformes. Ensuite, lorsqu'on parle de conférences, c'est aller dans des RPA ou encore dans des écoles, parler des tests aussi accessibles, qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme en ligne aussi avec le site web. On peut seulement accéder à mon site web qui permet de faire plusieurs choses. Et les ateliers, c'est là qu'on vient plus dans l'accompagnement. Pour aider les gens, leur montrer comment faire, les mettre en confiance avec le système, parce qu'on sait qu'il y a bien une confiance entre les institutions financières, c'est quelque chose de très important. Et pourquoi on fait ça? C'est pour informer les membres et apporter une valeur ajoutée au conseil. Quand on parle de valeur ajoutée au conseil, c'est vraiment l'approche et vraiment le principe que l'accompagnement. Tout est basé sur les confiances, comme je viens de dire précédemment. Un client qui est satisfait de l'entreprise, qui est satisfait des gens qu'on accompagne, de clients fidèles, c'est un client qui va rester, ou aussi un client qui va faire cette interaction par lui-même avec accéder. C'est un client qui est valorisant pour lui, qui va avoir envie d'en apprendre. Oh, ça le volet numéro 2, on l'a nommé l'innovation. Donc, je présente ici Axet 3D. Là, j'aimerais ça que vous fermez vos yeux pour garder vos ordinateurs là-bas. Gardez bien vos ordinateurs, fermez vos yeux. Imaginez-vous que vous rentrez sur votre ordinateur, vous cliquez sur Desjardins en ligne. Okay? Il y a une section qui va être marquée Axet 3D. Cliquez sur Axet 3D, vous l'avez encore dans votre tête. Parfait. Donc, l'Axet 3D, ça va être comme si vous rentrez dans la caisse. Au guichet, vous avez trois comptoirs, mais tout ça virtuellement, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc, ensuite, vous cliquez sur un des comptoirs qui est disponible et puis vous allez pouvoir parler directement avec un conseiller. Donc, vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant, avoir un nouveau visage. Puis, en fait, c'est ça. Donc, c'est trois employés qui travaillent à la caisse
virtuellement, donc à la maison. Et puis, les clients peuvent se déplacer directement à la caisse. Ils vont avoir trois ordinateurs disponibles à chaque succursale. Donc, ça permet aux clients qui n'ont pas Internet de se rendre directement à la caisse, puisque vous avez déjà un problème avec ça. Des clients qui n'ont pas Internet, qui peuvent les clients avec, vous n'avez plus le service non plus directement. Et puis, on garde des emplois aussi pour les employés. Ils peuvent maintenant travailler à la maison. Donc, ça, c'est une force aussi pour garder un employé aussi au sein de votre entreprise. Et puis, c'est ça. Donc, ça évite les licenciements des employés à la caisse, puis ça accroît l'autonomie des employés. Et puis des membres, puisque vous nous avez mandaté cela. Donc, pour faire un petit peu sur ce que mon collègue vient de vous expliquer, ils vont avoir en fait non seulement des ordinateurs sur place en succursale, mais ça va vraiment être un volet sur votre site web pour que, en fait, n'importe quel membre puisse joindre un conseiller virtuellement, un peu comme un bureau virtuel qui est disponible. Donc, oui, c'est disponible en succursale via les ordinateurs. Mais si à la maison, directement, pour ceux qui ont Internet, là, vous avez quand même beaucoup de membres qui ont accès. Donc, on pense aux deux types de membres à essayer d'accéder à Internet. Pour ce qui est du volet pérennité, c'est un peu les impacts des deux derniers volets. Donc, on voulait juste faire le pouce sur l'importance de la formation, de l'accompagnement, de venir vraiment prendre les membres par la main pour les informer, les éduquer sur l'importance du numérique. Mais on veut aussi créer un accès, créer un accès là, pour votre produit. Vous avez un peu acheté le téléphone aussi que vous avez l'accès en tout temps à ce téléphone, vous l'avez aussi en ligne. Donc, ça viendrait avoir un impact sur la pérennité de notre entreprise. C'est vraiment s'investir ensemble pour satisfaire les besoins communs, favoriser la transparence, créer un lien entre la responsabilité sociale de l'entreprise et la performance financière pour rester pérenniser la démarche. Puis évidemment, on veut améliorer l'image de l'éventail. On veut créer un lien de confiance très important avec tout type de membres, peu importe leur tranche d'âge, puis s'assurer de la pérennité de tout. Donc, maintenant, on va passer au volet de l'implantation. Pour les résultats attendus de notre stratégie, on aimerait que 80% des membres ont été informés sur l'importance de l'utilisation du numérique. On aimerait aussi que 50% des membres utilisent la plateforme Accès 3D également. Et en plus, on voudrait renforcer le lien de confiance de 85% avec les participants dans l'utilisation des services en ligne d'ici 4 ans. Donc, c'est un peu des indicateurs de performance que vous avez ici. Pour ce qui est du budget, vous vous demandez peut-être combien va coûter cette belle stratégie-là ici. Donc, pour ce qui est de la volet formation, on forme 300 employés. Donc, on ne fait pas de recrutement, on va aller directement à l'interne pour un coût total de 100 000 $. Ensuite, il va y avoir le déplacement des employés. Comme mon collègue disait, on va les envoyer dans des centres pour 115 000 $. Ensuite, il va y avoir les ententes avec les centres. Bien évidemment, ils vont pas vouloir que ce soit gratuit. Donc, 50 000 $ ici. Pour le volet 2, il y a l'innovation. La création de la plateforme virtuelle, on va faire affaire avec une firme, on va faire affaire avec une agence, c'est-à-dire pour un 100 000 $. Ce qui est du volet numéro 3, la pérennité, eh bien ça, c'est un 0 $. Et puis, on garde un fonds de sécurité, donc la contingence de 50 000 $ pour des coûts de taux final de 375 000 $. Donc ensuite, si on parle un peu plus de l'échéancier, désolé, comment le temps que ça va prendre tout ça? On peut commencer, comme je parlais tout à l'heure, la création d'un comité, on se dit environ sur la première année, parce que plus que les gens ont déjà travaillé au comptoir, ont déjà une certaine formation avec tout ce qui est l'application accédée et tout ça. Donc, la création du comité est un petit peu moins long. La formation, 2 ans, qu'est-ce qu'on veut dire par là, c'est plus l'accompagnement. Donc, dans les centres et tout, on veut vraiment faire ça graduellement pour accueillir les personnes. On sait que les livrets, c'est quelque chose que peut-être les personnes en général aiment mieux et tout. On veut vraiment les prendre par là et leur faire comprendre que le numérique, c'est moins dangereux, mais c'est vraiment plus la vision. Ensuite, pour ce qui est de la création de la plateforme, donc mettre la plateforme en ligne environ 1 an, et le lancement de la plateforme, on va mettre sur 4 ans, donc graduellement, dans chacun des secteurs, c'est déjà bien. Donc, pour aller plus loin, donc on trouve ça intéressant aujourd'hui de proposer notre stratégie, mais pourquoi pas aller plus loin? Qu'est-ce qu'on aurait pu vous proposer aujourd'hui pour encore plus améliorer la situation? Donc, on aimerait être présent avec les clients, évidemment, l'accompagnement, le lien de confiance.
confiance, le contact direct, le sentiment d'appartenance, aller vraiment le chercher encore plus, peut-être dans la responsabilité sociale de l'entreprise, c'est déjà très présent au niveau des communautés, pourquoi pas trouver des idées pour l'être encore plus. Donc, aller vraiment améliorer encore plus la responsabilité sociale des jardins. On aimerait peut-être aussi, pourquoi pas, faire un dialogue de connaissance, peut-être voir tous les membres, certains membres en particulier, de façon trimestrielle, par exemple, dans les grandes villes, où vous avez des bureaux, un peu comme des actions directes et morales. Donc, je pourrais inciter à faire le développement. Donc, encore là, on pense à la clientèle de 50 ans ou plus qui n'a pas accès à Internet, peut-être que c'est très important de se déplacer au-delà de la connaissance. Puis, pour ce qui est du volet innovation, on aimerait proposer aussi une firme québécoise de développement web qui s'appelle Mirego. Donc, pour faire ça, donc, nous étions la firme, mais pas cette action. Nous sommes en fait à répondre à vous. Moi, j'ai une question de fin de présentation. Quand tu parles du dialogue reconnaissance, c'est quoi les critères de visibilité de comment les gens sont tellement ici à se présenter? On a pensé à des collections mensuelles, donc en fait, pour faire une collection mensuellement avec accéder. Donc, ça permet à tous les clients, tous les membres d'y accéder, puisqu'on a dit que la collection, c'est pas trop. Puis tout le monde peut en bénéficier, donc pas seulement les grands acheteurs, le monde qui ont des grandes fondations, le monde plus échanger. Donc avec ces deux fondations-là, tout le monde peut en avoir accès. Et puis, en fait, ensuite, vous allez faire un concours, donc 500 personnes vont être admises par centre, donc Gatineau, Montréal, Québec. Et puis ça va être un tirage en fait, ça va être un de tirage. J'ai vu au niveau des défis, aucun livret. J'aimerais qu'on entende un peu plus par rapport à ça. Ce que tu parles au périmètre, c'est que ce qui est le bien numérique, c'est que c'est important pour les questions financières. Déjà, là, je crois que les livrets ont arrêté, ils sont en train d'arrêter. Mais il y a beaucoup de clients, des fois, qui sont un petit peu réticents à ça, parce qu'ils ont l'habitude de regarder leur livret et tout. Donc, c'est vraiment plus l'accumulation avant de l'accéder, mais là, c'est. Si on dit de lancer quelqu'un exactement sur l'accéder, on ne lui apprend rien, c'est sûr que c'est normal que les gens sont plus drôles. On peut aller vers le chiffres, comme on peut dire, on parle de transaction ou tout ça. Il peut un petit peu être similaire à un livret, pour faire une transaction. Une fois qu'ils sont habitués avec la transaction du chiffre, avant tout parler pour trouver ses finances avec les revenus, c'est quelque chose qui est intéressant. Oui, donc, belle présentation. Moi, mon point, c'est qu'on parlait un petit peu de la formation, faire des ateliers, des conférences, tout ça. On sait que souvent, les difficiles, c'est juste qu'on parle des jeunes, non, c'est quand t'es pas conventionné. Les gens, souvent, sont un peu de difficulté, mais ils se déplacent un peu moins, autant virtuel qu'en présentiel. Ils vont s'inscrire, vont se désister. Comment vous voyez ça pour que ces gens-là viennent de façon plus, sans trop les forcer, qu'ils viennent d'eux-mêmes? Ouais, pour que les gens soient intéressés à venir de vous, c'est vraiment les accompagner de voir. Donc, c'est vraiment pas de dire à une conférence, c'est la seule. C'est pour ça qu'on fait ça sur deux ans aussi, c'est pour revenir à plusieurs moments. Par exemple, par les RPA, des choses comme ça, quelques personnes y vont, vous serez comme une bouche à oreille, en fait, dans les RPA, c'est une grande différence, les gens s'écoutent, les gens vont se faire ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça sur deux ans. C'est après d'attirer plus de gens, mais le principe qui fait ça, il est quand même nécessaire de faire la partie dans le délai de l'autre. Je suis en arrière avec une carte qui est sans le cas pour s'assurer de la prendre la carte, c'est un petit peu sa responsabilité du client, de l'égalité.
intéressé à prendre de l'entretemps entre les limites derrière le centre pour prendre l'accès et l'accès pour les parents. Et ça, en fond, dans cette période-là, le système peut être connecté par nous-mêmes, donc s'assurer qu'il n'y a pas aucun degré de puissance. C'est sûr que toutefois, il va y avoir des conversations entre le conseiller. Comment vous encadrez ce volet-là? En fait, c'est le même principe que lorsqu'on appelle moins de 100. Ça va être vraiment le même principe. Donc, avec un volet vraiment de sécuriser ça. En fait, comme mon collègue l'a dit, vraiment de se connecter lorsque vous êtes sur votre compte bancaire. Donc, il va falloir mettre en place un système sécurisé. Donc, un système où vous êtes parce que c'est très dangereux. Si je peux vous dire un petit peu, il va aussi autant au 1800 qu'on appelle moins de 100, les vignettes de 100. Donc, encore là, ça fait pas une modification pour aller dans une conversion de 100. Si on dit non, avec nos familles, on pourrait lancer un peu de les gens dans la situation. C'est sûr que ça, ça passera en premier lieu à parler au niveau des finances, ou de l'assurance, avec une identification. Ce sont des gens qui sont préparés pour être voilés, qui ont des certifications de travail à distance. Donc, c'est tout le monde qui ne pourrait pas être envoyé pour des certifications de formation aussi, et rentrer dans la formation en tant que petit à distance, puisque avec leur mission, on peut déjà distance, on ne peut pas le faire en numérique, tout le monde à prendre. La période de fin, on a terminé. Merci, Kimber. Merci beaucoup.